Cavill est dans la tourmente, et pour cause, au cours d'une interview pour le magazine GQ Australie, l'acteur prochainement à l'affiche de Mission Impossible, Fallout s'est exprimé au sujet du harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma mais aussi de l'émergence du mouvement hashtag MeToo à Hollywood. Le partenaire à l'écran de Tom Cruise a également confié avoir quelques difficultés quant à ses techniques de séduction. « Je pense qu'une femme doit être courtisée et accrochée », a-t-il expliqué. « Mais peut-être que je suis trop vieux jeu. C'est très compliqué si certaines règles se mettent en place. Parce que ça donne quelque chose comme « Je ne vais pas aller lui parler, parce qu'on va me qualifier de violeur ou je ne sais pas quoi. » Du coup on se dit, tant pis, à la place, je vais appeler une ex et recommencer une relation qui n'a jamais vraiment marché. De nos jours, on ne peut tenter le coup au-delà du nom. Alors on se dit bon, ok. Puis vient le oh mais pourquoi il abandonne? Bah parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. Des propos qui ont suscité l'indignation de nombreux internautes sur la toile, qualifiant les récentes confidences de l'acteur de stupides et déplacées. Face à ce raz-de-marée de critiques, Henry Cavill a tenu à s'expliquer. L'acteur de Man of Steel a souhaité s'adresser aux internautes, ayant constaté les réactions après l'article de GQ, « Je tenais à présenter mes excuses pour ce malentendu et cette confusion », a-t-il déclaré dans un communiqué. Je souhaite juste clarifier et confirmer à tous que je continuerai à traiter les femmes dans le plus grand respect, peu importe le type de relation, en amitié ou dans ma vie professionnelle. Jamais je n'aurai l'intention de manquer de respect à une femme. Crédit photo, Best Images.